Eh bien, salut tout le monde, c'est Fixter. Aujourd'hui, troisième tutoriel sur On apprend à nourrir les animaux. Aujourd'hui, on apprend à nourrir les vaches juste après l'intro. Allez, à tout de suite! Donc ça y est, j'ai pris un peu de hauteur pour qu'on puisse installer l'enclos des vaches. Donc dans l'enclos des animaux, vous avez deux enclos de base. Mais après, vous pouvez en trouver d'autres en mode, hein, je dois en avoir, moi je sais pas trop lesquels. Là, celui-ci. Enfin, je dois en avoir d'autres, mais bon, nous on va prendre l'enclos de base, lui là, le petit. Parce que je suis sûr qu'il rentre au moins. Tandis que les autres, bah, déjà j'ai changé d'endroit, je pense, que certains l'ont remarqué. Et du coup, bah voilà. Hop, ça s'est placé. Oh, le défaut. J'essaie juste de vite rapidement modifier ça. Parce que c'est un peu. Voilà. Tac. Bah, c'est quelle touche déjà? Mauvaise touche. Bon. Ah, ouais. Ok, j'aurais pas dû toucher. Clairement. Ah voilà, pour adoucir un peu quand même. Voilà, histoire juste qu'on puisse en fait accéder et monter avec les tracteurs, parce que là. Voilà. C'est un peu mieux ici. Hop. On l'adoucit encore. Allez, vas-y, ça ira. Ah, loupé. Oui, mais j'avance tout seul. Ok, c'est bon. On redescend. Donc les vaches, on va aller les acheter. Décidément, j'arrive pas à me tromper de touche. Donc là, vous avez votre enclos. Pour acheter les vaches, vous allez. Enfin, vous cherchez. C'est où? C'est là, je crois. Non. C'est pas dedans. Pas dans celui-ci que c'est dedans. Là, ça doit être le lait. Ah non, c'était là. Donc là, pareil, je vais en acheter un peu. Allez, 3 chai. Allez, c'est bon, il y en a assez. Donc, maintenant, comme d'habitude, si vous allez dans un animal, vous voyez tout ce que vous avez. J'ai acheté 6 grises. Oh, ok. Donc, voilà. Les vaches, elles nous font. Bah, elles se reproduisent. Elles font du fumier, du lisier, du lait. Par contre, il leur faut de l'eau, de la paille, de la ration mélangée, du foin ou de l'ensilage, ou les deux, et de l'herbe. Et forcément, j'ai du foin, mais pas de l'herbe. Bah, c'est pas grave. On va faire. Enfin, j'en ai un tout petit peu, donc j'en mettrai un petit peu, c'est pas très grave. La côte là, par contre, il va rien, jamais monter ça. Pourquoi je suis là, sérieux? Hop, là, c'est bon. Je suis pas censé modifier, mais. Je vais monter par là. Allez, là. Wow. Ouais, mais c'est bon, ça me saoule, ça va trop doucement. Ça irait vite les engins, ce serait génial, mais là ça va tout doucement. Allez, c'est pas grave, c'est bon. Donc, on va commencer par préparer une ration totale mélangée avec une mélangeuse. Donc moi j'ai pris une mélangeuse qui est juste géniale. Je la démarre. C'est qu'en fait, à l'avant, elle attrape l'ensilage que j'ai fait dans un silo. Après, l'herbe et tout, on peut ramasser avec une mélangeuse ou faire des bottes qu'on mettra dedans après. Je suis bloqué, génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'herbe qui est là devant. Parce que quand j'ai tassé, j'ai fait ça comme un cochon, comme un porc. Voilà, donc on va activer. On va ba vous baisser juste. Enfin, si vous achetez ça, mais après, je vous montrerai. Mais. Ah, oui, mais pourquoi ça prend pas? Alors, ça doit être bon normalement. Ça tourne, ouais. Ça prend pas. Bon, bah. Ok, je vais ouvrir. Là, en bas, vous faites R pour voir l'autre silo. C'est juste. Faut juste faire du maïs. Ou avec une ensileuse. Enfin, vous mettez ou du maïs ou d'autres. Enfin, ce que vous voulez dedans. Bon, par contre, ça veut plus marcher. Alors, pourquoi sur cette partie ça marche pas? Ah, si, c'est bon.
Donc là, vous remplissez un peu. Là, je pense qu'on en a assez. Je sais pas du tout. On va aller mettre une botte de paille à l'intérieur. Et deux bottes de foin. Et après, on finira avec de l'ensilage, je pense. Donc on va faire ça, ce sera pas mal. Non. Ah si, ça marche comme ça. Sinon, vous prenez un pic, sauf si ça marche comme ça. Ok, ça marche pas. C'est bon, j'ai rien demandé, moi. Hop, on dépose celle-là. On va aller chercher le petit Manitou que j'ai déposé. Je sais plus où. Là. Allez, hop, on démarre tout ça. On va mettre la fourche droite. Là, voilà. Ah bah tiens, il y a une botte ici. On va la prendre, celle-ci. Oh. Là. Hop là, celle-là, je l'ai. Pas bien droite, mais c'est pas grave. J'espère que l'intro d'ailleurs vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais tout début de mes vidéos, mais il fallait que je la convertisse en fait, parce qu'elle n'était pas le bon type de fichier pour pouvoir être lu sur Sony Vegas, parce que je monte mes vidéos avec Sony Vegas. Donc voilà, maintenant j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai pas vrai, je vais vous le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai faite l'intro. Juste été sur un site qui s'appelle Panzoïde. J'ai choisi une intro qui me plaisait, j'ai modifié le nom, la musique, et puis c'est tout. Ça m'a pris 1 heure à faire ça et c'est tout. Parce que le temps de la trouver, c'est assez long. Puis après de modifier aussi, parce qu'il faut que je modifie avec les musiques qui me plaisent. Et donc voilà. J'ai cru que ça regardait pas. Bon allez. Tout ça dedans. Voilà. Ensuite, on laisse ça là. Non, il était éteint. Là. On remonte là-dedans. Là, ça nous fait de la ration totale mélangée, comme ça le dit. On va brasser un peu tout ça. Enfin, même si ça sert pas à grand-chose. Enfin, on va reprendre un peu d'ensilage, ouais. Voilà. Ah, allez. Bon, j'ai tout découvert le silo, mais c'est pas grave. Bon, ça veut pas en prendre plus. Ok. Et là, voilà, j'ai fait une ration assez correcte. Après, vous avez les indications avec les flèches pour vous aider. Mais bon, là, c'est bon. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller y vider. Donc, pour cela, bah, là, du coup, il va falloir que je monte la côte. Ça va être compliqué. Faire un peu de vue intérieure. Ok, c'est en fait mission impossible. C'est tellement abrupt. Je pense que je vais faire une coupure histoire de aménager un peu ça. Ouais, par là, ça devrait monter. Voilà, parfait. C'est juste là à côté. Vous vous mettez dans le bon sens. Non, ça vide des deux côtés, donc c'est bon. On peut rebaisser ça maintenant. Vous venez là. Vous faites I quand ça vous le propose, ou la touche pour les manettes, je dépends ce que c'est. Et puis vous attendez que ça se remplisse. Donc là, on a acheté pas mal de vaches, donc ça va pas se remplir très très vite, hein. Peut-être acheter un peu trop, mais c'est pas grave. Donc, c'est assez lent, hein, franchement. Allez, ça se vide ou pas? Bon, ah, ça y est quand même, c'est vide. Donc maintenant que ça c'est vide, je vais redescendre par là. Hein. Ouh, ça passe. Ensuite, il ne faut pailler les vaches. Donc, regardez là, par exemple, ça a mis un peu, il n'y en a pas beaucoup du tout. Hein. Mais c'est pas grave. Pas du tout beaucoup, ouais, c'est mieux. Donc là, on va mettre foin, ensilage, eau, paille et herbe. Il nous reste à faire. Au pire, on va continuer là-dedans. On va mettre du foin, ce que j'en ai. Et on mettra aussi un peu d'ensilage, on mettra un peu des deux. Et de l'herbe, bah j'en ai pas le problème en fait. Donc bah tant pis, il n'y aura pas d'herbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'ensilage pour commencer. Ce tuto, il va durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais les vaches, c'est assez complexe. Enfin, complexe, pas très complexe, c'est long à faire en fait. Faut beaucoup plus de choses. Après, ça produit beaucoup plus de choses aussi, c'est ce qui produit le plus. C'est l'animal le plus complet. Hein. C'est pour ça que souvent dans les vidéos, c'est l'animal que beaucoup de gens font. Mais parce qu'il fait tout, vous avez de l'ulisier, du fumier, du lait. Donc c'est génial. C'est pour ça que beaucoup de gens font ça. Moi, dans l'aventure des trois, dans les nouveaux entrepreneurs, je pense pas le faire tout de suite. Je pense que ce sera le troisième animal qu'on fera. Parce qu'au début, on va faire. Là, on fait les poulets pour l'instant. Je pense qu'on va faire les
les moutons après, parce que la laine c'est bien payé quand même. Et après on fera les vaches, avant les cochons et les chevaux. Les chevaux aussi c'est pas mal, s'il leur faut pas grand chose, il faut juste les entraîner un peu. Et par contre leur prix il peut doubler ou tripler. Donc ça peut être sympa. Sachant que bah, on a déjà réussi le défi des poules sur les trois. Enfin, je sais pas, on va j'ai arrêté de parler de ça là-bas, parce que c'est pas la série qu'on fait là. Je vais me concentrer plus sur ce que je fais. Donc voilà, je ferai une coupure aussi histoire le temps de ramasser un peu d'herbe. Et comme ça, ce sera bon. On va remonter par là. On tourne à droite. Pensez aussi à vous abonner et à laisser un pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi la vidéo, commentez. Moi, les commentaires, je les lis tous, hein. Surtout que là, pour l'instant, comme je commence sur YouTube, j'ai pas trop d'abonnés, j'espère que ça augmentera. Mais du coup, bah, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, les commentaires, je les lis tous parce que je les reçois, les commentaires. Ça me met une notification bah, sur mon compte. Et du coup, je les lis tous et soit en général, je mets un cœur à tous mes commentaires ou j'y réponds. Donc, voilà. Il en faut des tonnes. Je vais vendre quelques vaches parce que sinon, c'est pas terrible. On va vendre, je sais pas. Allez, elle. Noir et blanc, j'en ai plein, il me semble. On va en garder pas beaucoup. Voilà. Voilà, au moins, c'est déjà un peu mieux. C'est bon? Il n'y en a plus? Ok. Donc là, on est dans le orange, donc c'est bon, ça va faire. On descend. Maintenant, on n'en a plus besoin. Enfin, après, si, on pourrait encore s'en servir pour la paille. Je vais vous montrer, au pire. Et après, on prendra la pailleuse. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous chargez ça en paille. Donc, on va prendre une botte. J'ai un boulet. Là. Voilà. Mais quoi? C'est une blague. Elle, c'est bon, je l'ai. Non? Foin, j'en veux pas du foin. Je veux de l'herbe. Allez, c'est pas possible, je suis nul. Voilà, c'est bon. Non, mais je suis un boulet. Oh, c'est bon, je l'ai récupéré. Faut pas qu'elle tombe. Jusqu'à ce que j'arrive là-bas. C'est bien, aujourd'hui ça lag pas trop pour une fois. J'espère que vous, ça vous fera le même rendu. Mais moi, mon jeu ne lag pas trop. Donc, soit vous mettez la botte ici, en espérant que ça fasse de la paille, ce que j'ai jamais fait, mais normalement. Fourrage. Trop drôle. Donc, bon, bah, en fait, voilà. C'était une connerie, mais bon, on va y vider du coup. Donc, faites pas ça chez vous. Enfin, chez vous. Enfin, faites pas ça parce que ça sert à rien. Ah, si, c'est bon, ça fait de la paille. Ça fait de la paille. Parce qu'il me semblait bien que ça marchait. On va quand même vérifier, mais normalement. Peut-être de l'autre côté qu'il faut la mettre la paille. Ouais, possible. On va vérifier, mais bon, après, je pense. C'est pas grave, au pire. Je suis tout en marche arrière, je suis un as de la marche arrière. Là, par contre, c'est pas bien large. Wow. Ouais, c'est ça, c'est de l'autre côté. Là, pour mettre l'eau, ça va être galère. Là, ici. Donc, soit vous vous mettez là, et normalement, vous faites I, et ça décharge la paille. Voilà, là ça se remplit. On va tout vider. Là j'ai mis une botte. Parfait. Soit vous prenez avec la fourche, vous venez mettre la paille. Soit la façon la plus réaliste, celle que je vais vous montrer, qui normalement on est censé faire, c'est vous prenez ça. Enfin avec la mélangeuse ça marche aussi. Hein. Ça c'est aussi. Mais sinon, la vraie façon c'est d'utiliser une pailleuse. Ce que j'ai là, que vous achetez dans le magasin. Il y en a différentes sortes. Moi j'ai pris celle-ci. Il y en a qui sont mieux que d'autres, surtout quand vous commencez les parties, parce que. Elles ont le pic intégré, donc si vous n'avez pas encore de pic et que vous avez juste à acheter une chargeuse et pas de pic, désolé pour les bruits. Voilà. Recule-toi. Je vais charger une botte. Même si j'en ai deux, je peux en prendre que. Enfin, j'en ai trois, mais c'est pas grave. On va prendre juste celle du dessus. Ça fera l'affaire. Donc, on pique comme ça. Là, c'est bon. Celle-là, je la tiens. Je vais aller la mettre là-bas. Dans. Le machin. Ah ouais, en fait, vous, ça lag. Je suis en train de me rendre compte que vous, ça doit laguer à mort. Alors que moi, ça lag pas du tout. Moi, je tourne à 30 FPS au calme. Alors que quand je tourne, par exemple, chez les nouveaux entrepreneurs, ça m'arrive de tourner à. Je tourne plus à 15 FPS qu'à 30. Donc, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça.
Oh non. C'est pas possible d'être aussi nul, ça me désespère. Bon, hop, on va se décaler comme ça. Et je cherche toujours d'ailleurs, enfin, j'espère que pour l'instant personne ne m'a proposé, des gens qui voudraient, qui sont sur ordinateur et qui aimeraient, qui voudraient, enfin que ça les gênerait pas du moins, de tourner avec moi. Dans la description, je vous mets mon adresse mail, donc vous n'hésitez pas à me contacter, hein, parce que bah pour en multijoueur les vidéos ce serait quand même plus sympa, donc voilà. Ceux qui voudraient, vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai normalement assez rapidement. Voili voilou. Oh mais c'est pas possible. Le nombre de fois que j'ai dû dire possible dans cette vidéo, un truc de fou. Déjà 15 minutes de vidéo. Ah, ça fait quand même long en fait, hein, pour un tutoriel. Je ferai des coupures, je pense, à certains endroits. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Voilà, donc là, vous mettez la paille et ça se remplit. Voilà. On va le laisser. On va aller chercher maintenant de l'eau. Ah, il me faut un tracteur. J'en ai un là. Allez, démarre ça. Allez, Gertrude. Hop, les gyros. On fait marche arrière en attelle. Et go. Alors, l'eau, c'est ici. Fou. Il fait du cross, le tracteur. On décharge. Et voilà, ça met de l'eau. Tout simplement. Et donc là, nos vaches, elles ont de tout sauf de l'herbe. Ah oui, c'est vrai. Je cherchais de l'herbe. Ça y est, j'ai récupéré de l'herbe. Donc, bah voilà, j'ai plus qu'à faire I pour la vider. Là, ça ne me propose pas le symbole, mais bon, c'est pas grave. Et là, l'herbe se remplit. Donc là, ça va se mettre à produire, hein, normalement, nos 7 vaches. Enfin, 8 vaches vont se mettre à produire. Donc voilà, ça c'est vide. On va comme ça, et je vais descendre juste un peu ça. Là, j'ai essayé de modifier, mais ça m'a énervé. Voilà. Je vais juste. C'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Il faut aussi faire ça. Avancer le temps. Voilà. Non, pas besoin de faire ça, c'est ça. Et là, voilà. Donc là, on a déjà 1000 litres de lait, de lisier et tout. Donc après, le lait, c'est très simple. Je vais quand même vous le montrer. Vous prenez une cuve comme celle-ci. Il y en a deux. Il y en a une pour camion, une. Bah. Voilà. Donc vous allez dans animaux et puis voilà. Vous achetez. Une pour. Les camions qu'on accroche au camion. Là, j'ai pris un camion pour la transporter, juste pour aller plus rapide, pour que ce soit un peu plus rapide. Donc après, vous allez forcément de l'autre côté du bâtiment. Enfin, ça dépend de comment, là où est votre véhicule. Mais moi, c'est là. Vous voyez, il y a des petites bouteilles de lait. Voilà. Vous placez la cuve ici. Oh là là. Voilà, ça fait, vous faites R, et là vous avez du lait, vous faites démarrer, ça remplit votre cuve, et voilà, tout simplement. Donc bah on va s'arrêter là, hein, parce que bah je pense que maintenant vous savez comment on nourrit les vaches, ce qui était un peu le but de cette vidéo. Donc c'était Fixter, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.